que je n'ai pas encore salué aujourd'hui. Alors évidemment, l'intitulé de l'atelier peut surprendre pourquoi on ferait spécifiquement un focus sur le sport et la philo qui, a priori, enfin, je ne connais plus la citation latine, mais un homme sain dans un corps sain, voilà. Au-delà de cette citation, effectivement, on peut s'interroger sur le pourquoi du comment associer ces deux disciplines sur un même atelier. Vous allez le comprendre, j'imagine, à travers la petite introduction, puisque, comme vous le savez, je suis bref dès que je prends un micro, la petite introduction que je vais vous faire. Alors, on m'a dit d'appuyer le micro sur le menton, mais ça fait mal, en fait. Le lien, il va apparaître à travers ce que je vais vous raconter sur la mise en place de choses nouvelles actuellement et qui concernent ces deux disciplines. Je ne vais pas forcément reprendre tout le contexte général de la transformation de la voie professionnelle dans la mesure où un certain nombre des points ont déjà été abordés lors des ateliers précédents. Pour la faire courte, on a compris que dans le contexte général de la transformation de la voie professionnelle, il y avait eu une réduction des horaires de toutes les disciplines de manière générale, hein, puisque les élèves ont perdu, selon les filières, entre 3,5 et 4,5 heures par semaine. Donc déjà, ça enlève du temps disciplinaire. Et par ailleurs, une partie des heures qui restent, des 30 heures, sont, comme on l'a compris déjà ce matin, utilisés dans des dispositifs dits pédagogiques que moi, parfois, je qualifie de gadgets pédagogiques ou de dispositifs pseudo-pédagogiques. En tout cas, on a mis en place, à travers cette transformation de la voie professionnelle, moins d'heures et le développement de la co-intervention du chef-d'œuvre et un accroissement des heures d'accompagnement personnalisé. Au départ, d'ailleurs, ces heures, et on l'a vu quand on en a discuté tout à l'heure, étaient ciblées sur des disciplines bien précises, et notamment les enseignements professionnels avec soit le français, soit les maths. Un certain nombre de choses ont évolué depuis le début de la transformation de la voie professionnelle et on n'est plus tout à fait dans cette configuration et notamment sur la classe de terminale. Quoi qu'il en soit, en même temps que Blanquer annonçait sa transformation de la voie professionnelle avec pour esprit de la revaloriser, selon ses termes hein, à l'époque, il annonçait parallèlement à ça la création d'une filière sport comme étant une nouvelle filière porteuse, porteuse d'emploi, porteuse d'avenir, porteuse de tout ce qu'on veut. Il y avait en arrière-plan de ça aussi la perspective à l'époque, puisqu'il a dit ça en 2018, la perspective à l'époque des JO de Paris 2024. Donc, quand il annonçait la création de la filière sport, c'était aussi à mettre en contexte avec ça, sachant que maintenant, on est en 2022 quand même et que, pour le coup, les choses ne se sont pas complètement concrétisées encore. 2024, c'est bien plus proche de nous que ça ne l'était en 2018. Donc, il nous annonçait ça en même temps que la transformation de la voie professionnelle et, d'une certaine manière, à l'époque, en tant que SNUEP FSU, on était d'accord avec la nécessité de la création d'une filière sport dans la voie professionnelle. Plus récemment, pour être tout à fait précis, c'est un texte qui est paru au 1er mars 2021 et qui a été révélé au grand public, si j'ose dire, à travers une note de service qui date du 15 avril 2021, est intervenue une première transformation de la transformation de la voie professionnelle avec de nouvelles attributions attribuées à la co-intervention en terminale, parmi lesquels la possibilité de mettre en œuvre des ateliers de philosophie. Alors, le SNUEP est porteur depuis quasiment sa fondation de la nécessité d'introduire la philosophie pour l'intégralité des élèves dans la voie professionnelle. Alors, le constat que l'on fait par rapport à cet ensemble de choses, c'est qu'il y a un point commun entre la mise en place de la filière sport
et l'arrivée de la philosophie dans la voie professionnelle, ce point commun, c'est que ça se fait à moyen constant et en s'appuyant sur, enfin, à moyen quasi constant, je vais nuancer un peu après, mais en tout cas en s'appuyant principalement sur les dispositifs de la voie professionnelle qui, je le rappelle, je l'ai dit au début, ont été finalement préemptés sur des heures préexistantes et préalablement attribuées à d'autres disciplines. Comme ça se fait à moyen constant, il est question dans les deux cas d'utiliser ces fameux dispositifs pour mettre en place la dite filière sport, et là d'un seul coup je vais mettre des guillemets autour du mot filière, et la philosophie à travers des ateliers autour desquels je vais poser là également des guillemets. Comme ça se fait à mandat constant, et bien que initialement les projets puissent nous avoir paru attirants, puisque correspondant à nos mandats, et bien ce que l'on constate avec la façon dont le ministère met ces choses en place, c'est, comme je viens de le dire, que ça se fait à moyen constant ou quasi constant, puisque pour le sport, il faut quand même évoquer le fait qu'il y a création de mentions complémentaires et que là, pour le coup, ce sont des moyens nouveaux. Sauf que quand on voit à quelle échelle ça s'opère sur le territoire national, cette création de mentions complémentaires, on peut parler de moyens quasi constants parce que, de fait, si des moyens sont mis en place pour la création de deux mentions complémentaires, l'une étant d'ailleurs complémentaire de la complémentaire, vu le nombre de filières que ça concerne et le nombre d'heures pour chacune de ces mentions complémentaires, finalement, on est dans les moyens quasi constants. Donc, deux bonnes idées au départ, aussi bien pour la philo que pour la filière sport, mais en utilisant finalement la structure qui est proposée par la voie professionnelle transformée par Blanquer. Donc, une structure où on a eu des horaires amoindris et où on utilise les dispositifs pseudo-pédagogiques pour mettre en place de nouvelles choses au détriment des matières et des disciplines qui ont été préalablement spoliées. Donc, tout ça nous laisse pour le moins dubitatif sur la finalité de ce que veut faire le ministre à travers ça, pour ne pas dire totalement critique. Deux autres syndicats de la FSU sont concernés par la mise en place de ces nouveautés. Et je le remercie de sa présence virtuelle, même s'il ne m'entend pas d'ailleurs. Nous avons Christian Couturier, qui est secrétaire national du SNEP FSU, qui va faire une intervention en visio, puisqu'il a appris avant-hier qu'il était positif et il n'a pas finalement pu venir se joindre à nous. Donc ça va être des prouesses techniques et je tiens vraiment à remercier l'équipe de Pelicam qui a essayé de mettre en place un dispositif pour lui permettre d'intervenir depuis Montpellier. Christian Couturier, qui est au SNEP FSU, va nous donner son point de vue de prof de PS sur la mise en place de la filière sport. Et à mes côtés, Jean-François Dejour, qui est responsable de la philosophie au sein du groupe contenu du SNES FSU, qui, lui, va nous faire une présentation de ce que sont les ateliers philo, mais de surtout, quelque part, de ce qu'ils ne sont pas et de quelles seraient les éventuelles aspirations que l'on aurait autour de ça. Donc, je ne sais pas si Christian m'entend et s'il y a moyen de lui donner le top et de faire la bascule pour qu'on le voit apparaître à l'écran. Mais en tout cas, je lui cède la parole pour qu'il nous donne l'avis du SNEP FSU sur la mise en place de la filière avec des guillemets sport dans la voie professionnelle. Du sport dans la voie professionnelle, surtout sur la question du bac secteur sport,
tel qu'il a été dit, identifié au départ, même si le terme n'est pas juste du tout. Mais je crois que le sujet témoigne bien de finalement la façon dont le ministère. Oui, allô? Là, comme ça? Waouh! Et le. Pourquoi pas, hein? Alors, il faudrait peut-être que je mette les oreillettes. Mais où est-ce qu'elles sont? Je ne sais pas trop. Bon. J'ai 2 minutes là pour aller chercher mes oreillettes. On s'excuse pour ce petit désagrément technique, mais voilà, c'est le temps de trouver une compatibilité. Les éléments. On va essayer de faire une synchronisation son-image. Voilà, ils sont en train de travailler à ça. Le temps qui s'équipe. Bon. Je suis au téléphone, alors. Qu'est-ce que. Alors, on vous entend. Allez-y, Christian. Je peux parler là ? Je commence ou je démarre le. Allez-y. Je démarre. Je vais démarrer. Écoutez, bonjour à tous. Ça marche ? Oui, ouais, c'est bon. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci. Je suis dans des conditions assez spéciales. J'ai l'impression d'être dans une navette spatiale. Mais bon, donc j'interviens. Et si possible, j'espère que vous m'entendez. Je suis désolé de ne pas être avec vous. Bon, j'ai été testé positif, donc je n'ai pas pu monter. Je le regrette bien. Donc, je vais parler rapidement de ce qui s'est appelé au début le bac pro sport. Et qui, à mon avis, reflète bien quand même beaucoup de enfin, reflète bien la manière dont le ministère, et Jean-Michel Blanquer en particulier, traite à la fois la question de la voie professionnelle et en même temps la question du sport. Alors, l'annonce avait été faite hein, par une conférence de presse entre Jean-Michel Blanquer et la ministre des Sports en 2020 sur la création, double création, d'abord d'un bac pro secteur sport et en même temps de la spécialité dans le lycée général, qui étaient deux choses, enfin deux revendications que nous, on avait depuis longtemps pour ce qui concerne le bac pro, une voie professionnelle vers les métiers du sport et puis la création de la spécialité depuis la réforme des lycées. Mais la manière dont ça s'est passé, donc ces deux choses-là ont été annoncées en même temps et la façon dont ça s'est passé montre bien justement ces différences qui peuvent exister. Et bon, j'ai titré cette diapo là d'un espoir légitime à une mauvaise blague parce que en fait, lorsqu'on compare donc les deux filières, on s'aperçoit qu'il y a des différences absolument énormes qui concernent prioritairement la question des moyens et qui sont, de mon point de vue, assez inacceptables. À titre d'exemple, la spécialité, il y a un horaire dédié de 4 heures en première, de 6 heures en terminale, un coefficient 16 sur l'ensemble, sur les coefficients des épreuves terminales. Ça implique donc un enseignement dédié avec des enseignants, un programme ambitieux, une épreuve terminale qui fait partie du bac et qui, si on l'a réussi, donne une bonne présomption de réussite au baccalauréat. Donc,
voilà, on a des conditions, je dirais, normales de mise en place d'une filière qui va vers ensuite l'université et puis les métiers du sport. Et dans la voie pro, bah, évidemment, on a l'exact inverse, c'est-à-dire on a zéro enseignement, parce que le terme enseignement n'est pas juste, puisqu'il n'y a pas de véritable séquence dédiée, tout est pris sur les distants et donc repose sur le bon vouloir des chefs d'établissement, des enseignants. Et en plus, on a observé une certaine opacité, pour ne pas dire plus, quant à la désignation des lycées professionnels qui était retenue pour mettre en place cette chose-là. Et en même temps, l'épreuve pour avoir ce qu'ils annoncent, elle se fait en plus de tout le reste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée véritablement, et c'est en plus. Et quant aux débouchés qui sont annoncés et qui existent réellement aujourd'hui, en fait, ça ne débouche que sur un demi-BPJEP, c'est-à-dire le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, normalement, on doit obtenir 4 certificatives pour l'avoir, et là ce qui est proposé n'en offrira que 2, c'est-à-dire qu'il faut aller ailleurs pour finir ces deux modules complémentaires. Donc voilà, on est dans quelque chose que tout le monde a dénoncé in fine. Quand je dis tout le monde, c'est tous les syndicats qui participaient aux réunions avec le ministère ont dénoncé pour dire que c'était pas du tout sérieux. Pourtant, la communication qui est faite, elle a été je dirais mirifique, hein. Ce document qui est sur le site du ministère, qui a été produit en 2021, on voit bien qu'il y a des moyens qui ont été mis sur la communication et que je ne sais pas si ça fait partie des PowerPoint qui coûtent le prix que certains cabinets ministériels ont payé à des associations privées, mais à du privé, mais enfin c'est quand même de très bonne qualité, et ça fait miroiter des choses qui pour une grande part sont complètement hors réalité, c'est-à-dire qu'il y a un décalage énorme entre le discours et la réalité. Alors là, j'ai mis quelques extraits de ce document-là. Le ministère s'est engagé à la création, etc., qui s'ajoute de nouveaux enseignements du bac professionnel. En fait, je disais tout à l'heure que ce n'est pas des nouveaux enseignements, puisqu'il n'y a pas d'enseignement qualité. Bon, bref. Et puis, surtout, l'annonce qui avait été faite au départ, c'était qu'en 2022 sera proposé un nouveau baccalauréat professionnel dédié au métier du sport, dont l'élaboration est en cours de discussion avec les professionnels. Et ça, c'était initialement, mais on a vite vu, et en tout cas, la DGESCO s'est prononcée au bout de quelques réunions en disant non, il n'y aura pas en fait de véritable bac professionnel dédié au métier du sport. On continuera sur la logique que on a sur laquelle on a commencé. Donc, il y a un énorme décalage. Toujours dans ce même document, quand on lit ce qui est affiché, on voit que ça paraît quelque chose d'extraordinaire, enfin, en tout cas pédagogiquement et sur le plan éducatif, extrêmement intéressant. Évidemment, la réalité ne correspondra pas et ne correspond pas à ce qui est annoncé. On a beaucoup de choses qui sont très belles visuellement, hein, pour comment faire, pour organiser une démarche stratégique du parcours en EPS, etc. Bon, beaucoup de choses qui sont au bout du compte un peu de la poudre aux yeux et rien d'autre. Donc, cette question des moyens est vraiment déterminante. Elle paraît aujourd'hui très mal barrée pour arriver finalement à quelque chose que on avait tous souhaité de façon quasiment unanime. Oui. Le deuxième point que je voulais aborder après la question des moyens, c'est celui de l'état des lieux. En général, quand on se lance dans la création de quelque chose de nouveau comme ça, quand on annonce quelque chose, comme ça a pu se passer pour d'autres filières, on est censé avoir un état des lieux, en tout cas avoir des réflexions qui nous amènent à dire pourquoi les choix qui ont été faits sont ceux-là, et notamment sur la question des débouchés, pourquoi ce qui a été choisi in fine ne représente qu'une partie un peu pas minuscule, mais qu'une seule partie de ce qu'on peut entendre aujourd'hui par métier du sport. Or, on n'a eu aucun
aucun argument, aucun document qui nous a été fourni pour dire, voyez, le choix qu'on a fait, il est justifié par ça. Or, il s'avère que le travail existe, mais il n'a pas été fourni, mais il existe, puisque il y a eu le ministère, pas de l'Éducation nationale, le ministère des Sports avait produit une vision prospective partagée des emplois et des compétences. Et comme je l'écris, s'il avait été fourni, on aurait eu matière à s'interroger, parce que finalement, quand on regarde la réalité des métiers du sport, je pense que ça aurait été quand même nécessaire qu'on y travaille en amont, avant même qu'on commence à réfléchir à la manière dont ça se passe. On s'aperçoit que finalement le choix qui a été fait, et les extraits que je donne ici sont des extraits donc du rapport du ministère des Sports, produisent d'abord un choix qui est dans un secteur qui est un des secteurs les plus concurrentiels qui existent, c'est-à-dire celui de l'animation sportive, avec donc, comme je le disais, l'attribution pour les élèves qui réussiraient l'épreuve un demi BPJEPS. On rediscutera éventuellement tout à l'heure de la continuation pour avoir les deux autres modules. Mais bon, voilà, on est dans un secteur extrêmement concurrentiel, d'une part, puisqu'il y a des formations, à la fois jeunesse et sport, et en même temps des formations dans le supérieur, dans les STAPS, pour ne pas les nommer, qui amènent à des choses de ce type-là. Deuxièmement, la qualité des emplois est relevée comme étant une qualité discutable, en tout cas avec beaucoup de fragmentation, beaucoup de temps partiel, beaucoup de choses qui sont problématiques du point de vue de la stabilité de l'emploi. Et enfin, donc ce choix unique de débouché, quand on le compare avec l'analyse qui est faite du secteur sport aujourd'hui, on voit que c'est une petite partie et qu'il aurait été quand même de bon ton de s'interroger, de savoir si dans la voie professionnelle, il n'y avait pas moyen de réfléchir aux autres secteurs. Regardez le document que produit toujours ce même ministère en collaboration avec France Stratégie et le CEREC, on s'aperçoit que le choix qui a été fait de l'enseignement, encadrement, animation, loisirs, c'est une petite partie de l'ensemble des métiers du sport qui sont appelés aujourd'hui à se développer et qui sont reconnus comme étant des registres sur lesquels l'emploi va se développer, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'emploi dans le domaine du sport va se développer. Donc, tout ça pose un problème énorme, c'est-à-dire que quand on cumule les problèmes de moyens, les problèmes du décalage entre le discours et la réalité, le problème du non-état des lieux et de l'impossibilité de travailler en amont sur ce qui serait le plus pertinent, ben finalement, on a au bout du compte quelque chose qui est un ovni, c'est-à-dire quelque chose qui est pour nous ni fait ni à faire et qui va mettre beaucoup de gens en difficulté, sauf à y passer beaucoup de temps et d'énergie pour un résultat qui sera quand même pas optimal. Donc, voilà, donc je termine cette petite intervention. Intervention pour pas être trop long vu les conditions dans lesquelles je me trouve. Je pense qu'on peut avoir au moins ensemble quelques exigences minimales. Alors, au départ, était annoncé une biqualification au bac pro. Donc, nous, ce terme-là et cette logique-là nous intéresse. En tout cas, on voudrait bien y tendre, c'est-à-dire qu'à l'issue du baccalauréat et non pas à l'issue d'un bac pro plus une année, puisque les mentions complémentaires qui permettent de compléter le demi BPJEPS, elles se feront à bac plus un, donc au bout de 4 ans, donc une vraie qualification qui fasse qu'au bout du bac pro, il y ait une double qualification. Il y a quelques exemples comme ça sur le territoire qui existent et on pourrait s'en inspirer. En tout cas, au moins, il y aurait quelque chose de sérieux. Donc, ça implique un horaire dédié et donc financé avec un repérage dans le temps pour savoir à quel moment on peut regrouper les élèves, comment on fait pour faire la synthèse entre ce qui a été fait dans différents enseignements, etc. Enfin bref, enseignement dédié pour mener à bien ce travail-là qui est intéressant et important. Bon, nous pensons qu'il y a moyen aujourd'hui de sortir de la voie de l'animation comme unique débouché.
et de réfléchir à un ensemble de choses qui peuvent être, y compris plus porteuses, et qui peuvent être sur lesquelles la branche professionnelle peut être demandeuse. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. Comme je l'ai dit, l'animation, c'est un des secteurs les plus concurrentiels et avec des conditions d'emploi qui sont quand même précaires. Donc, peut-être que ce n'est pas la meilleure des choses que d'envoyer nos élèves dans cette direction-là. Le bac pro, la bi-qualification devrait aussi, bien sûr, ouvrir la perspective d'une poursuite d'études. Pourquoi pas, pour certains, de pouvoir reprendre ou aller vers des études en STAPS, puisque vous savez sans doute qu'avec Parcoursup, les bacheliers professionnels ont été les grands perdants de la réforme, ont été complètement écartés. Il n'y en avait déjà pas beaucoup qui tentaient d'aller en STAPS, et là, avec Parcoursup, ils ont été carrément quasiment tous éliminés, donc il n'y en a pratiquement plus. Donc je pense que ça vaudrait le coup, du point de vue de la démocratisation, de se mettre dans cette perspective-là. Et donc, ça, je terminais juste en mettant, bref, de l'ambition, pas de bricolage, parce que là, je pense que pour avoir suivi et poursuivre beaucoup de choses de réforme dans le milieu de l'éducation, dans le second degré, j'ai rarement vu, on a rarement été confronté à quelque chose qui s'apparente comme ça à un bricolage absolument, je dirais, génial d'une certaine manière, parce qu'ils ont réussi avec ce bricolage de faire des documents de présentation absolument dithyrambiques et magnifiques. Donc, c'est une prouesse. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous m'avez bien entendu. Et en tout cas, la régie ne manquera pas de me le faire savoir. Merci. Alors, oui, on adressera un grand merci par le biais de la régie à Christian Couturier en direct de la station spatiale du SNEP. En attendant, on va revenir sur Terre et avec Jean-François, dont j'ai omis de préciser qu'il était professeur de philosophie dans l'Académie de Lille, au-delà de travailler sur ces thématiques-là pour le SNES. À part que c'est nous qu'on voit derrière, ce qui me permet de pour une fois, de voir où en est l'état de ma tonsure. Donc, je vais laisser la parole à Jean-François en lui tendant son propre micro, qui, à son tour, va nous parler non plus de la filière sport cette fois-ci, mais de la mise en place des ateliers de philosophie dans la voie professionnelle. Bien, bonjour, merci d'avoir patienté jusqu'à 17h. C'est pas encore la bonne image parce que j'ai réalisé un petit diaporama. C'est vrai que c'est plus pratique. Pendant qu'on fait la bascule, donc je suis de l'Académie de Lille, j'enseigne la philo, j'allais dire depuis un certain temps, mais vous vous en doutez un peu, dans le bassin minier, en fait, hein, donc dans un lycée qui est à Lens, lycée général et technologique. Bon, voilà, j'ai eu de la voie technologique pendant quasiment toute ma carrière. Et je suis complètement immergé dans la réforme actuelle du bac Blanquer avec les nouvelles spécialités où on nous fait travailler avec des collègues de lettres. Alors ça tombe bien parce que c'est aussi ce que je suis en train de vivre en LP. Parce que le 1er septembre 2021, j'ai fait ma première pré-rentrée de tout jeune débutant dans mon lycée pro à Salomine, donc à côté de Lens. On est toujours dans le bassin minier. Dans ce lycée qui est de petite taille, il y a 5 terminales, il n'y a pas tout à fait 80 élèves. C'est des logistiques, c'est de la vente et c'est du commerce. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec un groupe de logistique sur un premier format dont je vous présenterai les grands traits parce qu'il y a plusieurs possibilités d'intervention. Donc, dans un premier temps, je travaillais en autonomie, bien sûr, avec un collègue de lettres histoire-géo. Mais je me retrouvais seul en face à face avec les élèves qui venaient sur la base du volontariat. J'aime autant vous dire qu'au bout d'un certain temps, le volontariat, on en a vu les limites. C'est qu'ils avaient le choix entre philo, devoirs faits, qu'est-ce qu'il y a encore, c'était, enfin bref, des aides diverses et variées. Et finalement, ils ont choisi baby-foot. Au début, ils étaient 19 à vouloir suivre le cours de philo. Ils avaient tous intéressés, puis on a terminé à 2. Bon, et là avec la chef, on s'est dit,
c'était les télogues, c'était les logistiques. Bon, on s'est dit, il faut qu'on arrête ou qu'on trouve autre chose. Et là, on a recalibré notre intervention. Donc, c'est bien parce qu'on fait ce qu'on veut, en fin de compte. Hein. Attendez, peut-être qu'on peut avoir une meilleure... ouais, attendez. Je ne sais pas si c'est moi qui ai la main. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. C'est moi qui ai la main, parce que je voudrais juste avoir l'écran central. Ah, bah voilà. Voilà, ça marche. Vous comprenez pourquoi je dois aller dans un lycée professionnel, c'est que j'ai des petites lacunes techniques. Bien, donc deuxième manche, on a mis ça en place au mois de janvier. Là, on a rebattu les cartes et avec une collègue volontaire. Donc le premier collègue était déjà un PLP histoire géo lettres. Et enfin, finalement, je ne m'intéressais pas encore à l'époque aux programmes, aux objets d'études spécifiques à l'enseignement des lettres. Et puis la deuxième mouture, on a changé de stratégie. Donc avec ma nouvelle collègue, qui est aussi donc lettres histoire géo, je me suis mis à travailler un peu quand même l'objet d'étude du jeu, JEU, que les élèves travaillent dans mon lycée avec une œuvre comme celle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, par exemple, qui est un texte philosophiquement quand même très, très intéressant. Et là, du coup, on est en co-intervention. Et je trouve que pour avoir testé les deux, c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Bon, le seul problème, c'est qu'on siphonne l'horaire de la co-intervention. Hein. Mais comme je suis dans un lycée plutôt défavorisé, on a ce qu'on appelle un CAL. Enfin bref, on a une dotation. Enfin, vous verrez, ça apparaîtra dans le diaporama. On a une dotation spéciale. Et donc, ils ont quelques HSE en RAB. Donc, j'ai pas trop l'impression de venir siphonner les horaires de mes collègues. Ceci dit, d'ailleurs, on est payé au lance-pierre, c'est-à-dire que j'ai dû attendre le mois de janvier pour être payé de mes HSE. Bon, donc, pour ce quinquennat Blanquer, excusez le jeu de mots, mais ça partait quand même d'un héritage tout à fait honorable dans les intentions, en tout cas, puisque cette idée d'enseigner la philosophie, de rendre la philosophie populaire, de rendre la raison populaire, enfin, ça nous renvoie carrément à l'époque, enfin, au siècle des Lumières. Et puis, on pourrait même dire que ça remonte un petit peu avant, puisque quand Descartes écrit, vous voyez, on est au XVIIe siècle, il écrit ça 4 ans après le procès de Galilée. Vous voyez un peu le contexte. Et quand il dit, c'est le tout début d'un texte qu'il écrit en français et pas en latin, et qu'il s'adresse donc à un ensemble de lecteurs évidemment beaucoup plus élargi que s'il écrivait dans la langue des universitaires. Donc ce discours de la méthode qu'il écrit 4 ans après le procès de Galilée, quand il dit le bon sens, c'est la raison en fait. Bon, donc on est dans cette on est porté là dans ce courant de l'histoire, évidemment, qui ne peut que nous rendre sympathique, cette expérience de la philo élargie aux trois voies. Hein, la voie générale, c'était fait. La voie technologique, c'est plus récent, mais c'est fait. Enfin, vous verrez qu'on a perdu. Et donc, il y a un recul du front de la démocratisation de l'enseignement dans la voie technologique. Mais la voie technologique, elle s'est généralisée un peu après 68, première tranche, dans les années 70, au début des années 70, et deuxième tranche après 81. Et donc, en 81, la quasi-totalité, je pense même la totalité de toutes les voies technologiques, avait un enseignement de philo. Ça représente, pour vous donner une idée quand même, dans nos élèves, un petit tiers, enfin un gros 25%, là, je regardais les derniers, on est à 27% de nos effectifs sont dans la voie technologique. Ça ne fait pas évidemment 27% de notre temps de service, hein, puisque l'enseignement de la philo dans la voie technologique, c'est 2 heures par semaine. L'atelier philo dont je m'occupe à Salomine, c'est 1 heure par semaine, et évidemment, les élèves sont en stage de temps en temps. Puis moi, de temps en temps, je ne suis pas disponible, puisque c'est le jeudi après-midi que je les croise, et vous voyez, ce jeudi-ci, ben, je ne suis pas venu à cause de vous. Bon. Sinon, vous avez le titre, l'atelier philo, une ébauche de démocratisation quand même, on ne va pas faire la fine bouche, enfin, on met un pied dans la porte. Avec Axel, il y a 2 ans, on avait été voir ensemble l'inspection générale de philosophie et on voyait bien que c'était non seulement dans les mandats du SNUEP, mais c'était aussi porté par le SNES dans la mesure où la démocratisation de l'enseignement nous tient à cœur. Et c'était aussi porté par l'inspection générale de philosophie qui, vous allez le découvrir si vous ne le saviez pas, mais ça fait 25 ans
qu'on enseigne la philo dans les lycées professionnels. Donc c'est tout sauf une affaire récente. Mais évidemment, le dispositif actuel, il est tout à fait nouveau, celui-là. J'ai donc pris la peine d'ailleurs de l'éplucher un petit peu et d'aller voir dans ce BO du 15 avril la note de service que tu m'as gentiment transmise, parce que je ne l'avais pas vraiment regardée de près. Et on y trouve des choses quand même intéressantes. Alors, si on avance un peu, donc la démocratisation, si on remet quand même les choses à leur place, elle se fait en trompe-l'œil et je vous rappelle ici quand même les chiffres très 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 modestes de cette présence dans les lycées pro de les ateliers philo. J'ai pris ici les chiffres public-privé confondus parce que les expériences se font aussi dans le privé. Donc en fait les chiffres que j'ai, c'est pas seulement l'enseignement en public. Hein. Donc ça fait 2,4% des lycées professionnels puisque d'après les chiffres du ministère, enfin RERS 2022, il y a 2100 lycées pro, publics, privés, et qu'on est sur toute la France 50 lycées, dont 10 lycées dans mon académie. Donc 50 sur toute la France, ça veut dire qu'il n'y a que 50 profs de philo qui sont embarqués dans l'aventure sous la forme d'une espèce de marché où les lycées professionnels, grâce à ce texte du BO numéro 15, ont candidaté en signalant leur volontariat pour accueillir ces ateliers. Donc ça, c'était la demande. Et en face, il y avait une offre. Nos inspections nous ont demandé si on était volontaire pour aller enseigner la philo en LP. Évidemment, moi, j'étais tout à fait intéressé pour suivre syndicalement. Et puis, ça correspond quand même aussi à un engagement. Enfin, quand on est prof de philo dans le bassin minier, c'est quand même qu'on y croit un tout petit peu. Sinon, on change de métier. Et donc, je voulais être aux premières loges pour voir de l'intérieur à quoi ça ressemblait. Bon, donc, c'est très modeste, hein, tout ça. Et dans mon lycée, vous voyez, il y a un atelier. L'année prochaine, ils pensent déjà en installer un deuxième. Donc, mais sur les 78 élèves, je m'adresse à 12 personnes. Donc, en fait, si vous faites vraiment le ratio, les 50 lycées, on s'adresse à un tout petit effectif dans les 50 lycées, grosso modo, ça fait du 0,5%. Voilà ce que ça donne sur le terrain. Donc, on est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment c'est un embryon de quelque chose qu'il va falloir développer. Et qu'il va falloir développer avec vous, en fait. Parce que vous allez comprendre que le sens de mon intervention, c'est de vous dire qu'on ne peut pas, on le fait bien volontiers et on le fera tant qu'on pourra à vos côtés, mais en termes de ressources humaines, on ne peut pas. Les chiffres, dans un instant, vous allez voir que on peut même, même si on voulait le faire, on ne pourrait pas le faire. On n'a pas les forces. On n'est que 5200 profs de philo sur toute la France. Bon, il y a 168 000 élèves en terminale en LP, c'est hors de question qu'on n'a pas, évidemment, les ressources humaines. Donc, ça tombe bien, parce que dans les textes qui ont été publiés et qui encadrent ce dispositif, ben, il est prévu que ce soit les PLP qui prennent en charge ces ateliers philo. Et ça, quand même, je pense que pour vous, ça peut être quand même très intéressant. Avec une formation à la clé, mais après tout, ça peut être, ça peut changer un peu les idées au cours de sa carrière, de refaire un peu de philo. Et puis peut-être qu'il y en a qui ont déjà une licence ou un morceau de licence, et je pense quand même que ça sera très, très facile de raccorder tout ça. Bon. Donc, dans mon syndicat, on réfléchit, bien sûr, on a un congrès, ça tombe bien, on a un congrès cette année à Montpellier, là, au mois de mai, et pour tout vous dire, je suis venu un petit peu voir avec vous comment vous voyez les choses, et peut-être vous allez me dire réciproquement, parce qu'il faut qu'on accorde nos violons, quoi. Moi, quand je parle de ça à mes petits camarades du SNES, point commun avec le PS, c'est que il y en a deux. D'abord, peut-être qu'enseigner la philo dans les lycées professionnels, c'est peut-être un petit peu du sport. Bon, bon même pas. Mais en tout cas, il y a un autre point commun, c'est que les profs de PS qui interviennent en LP interviennent dans les trois voies. Donc, en fait, c'est mes collègues. Le syndicat, le SNEP, c'est mes collègues sont syndiqués au SNEP. Et on se retrouve côte à côte en LEGT, en lycée d'enseignement général et technologique, et on se retrouve côte à côte à enseigner en LP. Donc, évidemment qu'il y a des points communs. Enfin, et pour nous, ça pose un problème de statut. Vous imaginez la boîte de Pandore qu'on pourrait ouvrir en validant le fait que des profs de philo qui ne sont pas des PLP interviennent en lycée pro. Bon, et si on insiste un peu, qu'on intègre les horaires à nos obligations de service, sauf que le jour où on obtient ça,
ça sera pas que pour les profs de philo. Et on pourrait imaginer que d'autres profs de lycée, en lettres, en histoire géo, en maths, viennent dans vos lycées pour faire des compléments de service, pour boucher les trous. Donc évidemment que c'est une catastrophe. Et si le SNES portait ça, on se fait harakiri, quoi. Donc nous, on y va vraiment sur la pointe des pieds, parce qu'on a bien compris que c'était... attention, danger. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse aussi attention. C'est pour ça que c'est important que ce soit des syndicalistes aussi qui prennent ces questions-là en main et pas seulement des illuminés. Bon, sinon, vous voyez, dans le deuxième paragraphe, je vous rappelle que nous, on a pris très cher avec la réforme Châtel. La réforme Blanquer a simplement confirmé et alourdi encore la facture, mais on avait déjà pris très cher avec la réforme Châtel, puisque l'enseignement de la philo... Enfin, nous, quand on parle syndicalement de démocratisation, le front, la ligne de front, elle est dans la voie technologique. Hein. À la fin des années 80, il y avait eu un rapport Bouvresse-Derrida, pour ne pas le citer, qui disait déjà, donc à la fin des années 80, que depuis que la philo était enseignée en lycée technologique, elle était en crise, l'enseignement de la philosophie était en crise, puisqu'on essayait finalement de faire dans la voie technologique ce qu'on faisait dans la voie générale, ce qui n'était pas une bonne idée. De même qu'il ne faut pas faire en lycée professionnel ce qu'on fait en lycée général et technologique. Et donc, en 94, on avait obtenu, pour nous c'était vraiment fondamental, j'y étais si je puis dire, le dédoublement d'une partie de notre horaire. Donc d'un seul coup, au lieu d'avoir 2 heures devant une classe, alors il y avait quand même des filières à l'époque où c'était 3 heures, hein. Mais on se retrouvait avec 1 heure dédoublée. Et c'était le bonheur, parce qu'une classe de la voie technologique, ça peut être 30 personnes. Hein. Donc le fait de pouvoir intervenir devant des effectifs de 15 au lieu de 30, c'était pour nous vraiment une bouffée d'oxygène. Et ça a été remis en cause. En fait, ils ont fait sauter la grille horaire nationale en 2010 par Châtel. Bon, et depuis la réforme Blanquer, on a encore précarisé cette possibilité. Alors, elle est dans les textes. On peut toujours, si on veut, sur moyens propres, hein, on peut toujours dédoubler. Mais on est en concurrence avec l'AP, quoi. Donc, vous voyez que le problème, il est vite réglé. Et donc, un prof de philo aujourd'hui qui fait surtout des cours dans la voie technologique, il peut avoir 8 classes et 8 fois 30 élèves. Donc, il ne sait pas qui est qui. À la fin de l'année, il continue à se tromper. Enfin, bon. Donc, la ligne de front pour nous, elle est quand même là. Hein, faut bien le comprendre. Évidemment, tant mieux si ça s'étend à la voie technologique. Alors, la note de service du 1er mars, qu'on peut trouver dans le BO, on ne va pas la lire intégralement, hein, mais j'ai trouvé que c'était judicieux de pointer au moins en rouge quelques éléments. Donc, l'atelier de philosophie, voilà, c'est la nouveauté. On signale que c'est une réussite qui a traversé plusieurs expérimentations, installées parfois de longue date. Ben, je vais vous rappeler quand même que ces expérimentations, oui, effectivement, c'est de longue date, et ça a été, notamment dans l'Académie de Reims, poussé très, très, très loin, parce qu'à un moment donné, il y avait 60% des lycées professionnels de l'Académie qui accueillaient, et ce n'était pas des ateliers philo, les profs étaient en autonomie, c'était 2 heures par semaine. Donc c'est plus que des petites expérimentations à la marge. Bon, développer la culture générale, on voit bien que c'est quand même pas un détail, surtout si les élèves des lycées pro ont vocation à faire des études au-delà du diplôme. Pour l'ensemble des élèves concernés, c'est amusant quand on se rappelle les 0,5% de tout à l'heure. Et on avait quand même tout de suite dit, attention, ça ne sera pas un club de discussion, c'est pas un club philo, c'est un atelier philo où on met les élèves en présence des auteurs, des textes courts, mais des textes quand même, avec la possibilité d'écrire de manière très marginale, bien sûr. Bon, donc, on a l'ambition de faire... Il n'y a pas une manière de faire de la philo au rabais, parce qu'on serait en lycée pro. On a le même discours avec la voie technologique. Il n'y a qu'une seule façon d'enseigner la philo. Et puis ensuite, bah, on nous donne plus ou moins d'heures, mais il n'y a pas 36 façons. Donc tout ça à raison d'une heure par semaine, vous voyez quand même qu'il y a un petit foutage de gueule. Depuis 25 ans, bah, voilà, j'ai pointé ici, donc c'est le milieu des années 90, les différentes académies, c'était souvent à l'initiative de recteurs qui étaient très très impliqués dans la question. L'inspection générale de philo, depuis le début, elle est au taquet, si je puis dire, sur ce dossier. Donc Nantes, Montpellier, Aix-Marseille, Limoges, Nice, Reims, Créteil. Et à Reims, vous voyez, vous avez les chiffres là, 60% des LP,
avec un pic en 2003-2004. Il y avait à l'époque presque 25 profs de philo sur l'académie qui intervenaient dans les lycées. Alors, les caractéristiques, si on les balaye rapidement, à l'époque, c'était intégré au service des profs de philo, donc ça marchait bien. Et c'était même, pendant un temps, 3 heures devant élève en LP, 2 heures devant élève en LP, c'était décompté 3 heures. Donc évidemment, ça a créé des vocations. Vous voyez, par comparaison, là, moi, je suis payé en HSE, et voilà, c'est un CLA. Ils appellent ça un CLA, contrat local d'apprentissage. Ça veut dire qu'on est quand même avec un public... voilà, on est dans le bassin minier, quoi. C'est pour ça qu'on a des clats. Hein. Et c'était 2 heures par semaine. Il y avait un programme, donc c'était des notions. Le programme de philo, il a toujours eu tendance à être un programme notionnel. Hein. Donc le travail, réfléchir sur le travail, ça reste évidemment d'actualité en LP comme ailleurs. La liberté, l'art, la technique, vous voyez, ça permettait de faire aussi, de croiser des réflexions sur le design. Parce que l'art et la technique, c'est une séparation qu'on fait dans notre tête depuis finalement le XVIIIe siècle. Mais si vous regardez en amont, et même en amont de la Renaissance, ça n'a aucun sens de séparer l'art de la technique. Et la production du beau et la production de l'utile, c'est quand même intéressant de voir comment ça s'articule. Donc là, un cours de philo, ça peut être intéressant, même si on fait de la cuisine, et même surtout si on fait de la cuisine. Parce qu'il y a une esthétique dans l'assiette qui n'est pas un détail. Bon, donc, les élèves avaient à l'époque, hein, dans les expériences, un cahier de bord qui permettait des prises de notes, de cours, des exercices, et ça aboutissait à une soutenance devant un jury, mais il n'y avait pas d'épreuve au baccalauréat, c'était une sorte de label, de certification. En tout cas, ces expériences, s'il le fallait, elles ont définitivement montré que tout ça, c'était faisable. Les rapports de l'époque... c'est très documenté, hein, ce qui s'est passé pendant 25 ans, parle de différence de degré plutôt que de différence de nature entre les élèves qu'on trouve dans les LP et les élèves qu'on trouve dans la voie technologique. Et on peut dire la même chose entre les élèves qu'on a dans la voie technologique, qui sont un petit peu plus bruyants, bien sûr, que les élèves qu'on a dans une bonne terminale générale, où ils font tous des maths et de la physique. Hein. Mais c'est des différences de degré plutôt que de nature. Et finalement, je me suis retrouvé devant un public que je connais bien parce que ça fait des années que je le pratique dans la voie technologique. Bon, évidemment, je sais bien que si je les embarquais dans un exercice écrit, j'aurais les mêmes problèmes qu'avec mes élèves de la voie technologique qui sont souvent pétillants, vifs intellectuellement, très éveillés. Mais alors, dès qu'il faut prendre un stylo, c'est une catastrophe, quoi. C'est faisable, c'est opportun, c'est légitime. D'ailleurs, les élèves prenaient ça comme un hommage rendu à la dignité d'un élève qui est également digne dans la voie, enfin, de recevoir tous les enseignements de ses petits camarades. Quoi. Enfin, pourquoi il y aurait une espèce de frontière disciplinaire où on enseignerait la philo aux uns et pas aux autres bon, et puis... Dans le cadre d'une culture commune où on a un tout petit peu l'ambition de former à la citoyenneté, tout à l'heure, je ne l'ai pas commenté, là, la belle formule de Condorcet, mais soit dit en passant, ce texte-là, c'est peut-être le plus important de tout ce qui était sur la première diapo. Condorcet, il faut bien le savoir, il est le père de l'école laïque publique républicaine, c'est-à-dire il a compris, juste après la Révolution française, hein, il écrit ça, ses mémoires sur l'instruction publique, ça date de 1792, et donc il a compris que l'égalité et la liberté formelle dans la loi sans une authentique égalité en termes de culture, c'était du pipeau, quoi. L'égalité devant la loi sans une égalité face au savoir, c'est une fausse égalité. Et donc, il s'adressait, amis de l'égalité et de la liberté, on n'a pas fini notre travail. Maintenant, il faut que l'État se charge de l'instruction publique. Donc, vous voyez, déjà, il n'y a pas seulement la question de la laïcité dans la Déclaration des droits de l'homme de 89, hein, c'est l'article 10, où on parle évidemment d'une liberté de conscience. Mais il y a déjà l'idée que c'est à l'État de se charger de l'instruction publique. Il parle d'instruction, d'ailleurs, pas d'éducation, et pas au curé. Il faudra attendre 80 ans. Ça sera les lois de Luc Ferry qui vont vraiment... Oui, pas de Luc. son prénom... Oui, Jules, pardon, Luc. Oui. Pas tout à fait le même bonhomme, mais encore que...
Oui, Jules Ferry. Donc, il faut attendre 80 ans pour qu'on a vraiment l'impression qu'on a appliqué ce qu'avait dit Condorcet. Donc, rendre la raison populaire. Mon lycée s'appelle le lycée Condorcet. Et donc, on a un buste de Condorcet et on est en train de faire en sorte que ce texte tiré de ses mémoires sur l'instruction publique soit dans le hall d'entrée du lycée et qu'on puisse lire ce beau texte. Bon, donc il y a une véritable légitimité et puis une démocratisation de l'enseignement, évidemment, qui, vous comme au SNES, enfin au SNUEP comme au SNES, on est évidemment partie prenante. Voilà ce qu'il propose en guise de programme dans cette note, mais on pourrait dire que le programme est un peu hors sol, mais ça tombe bien parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et c'est indicatif. Mon inspection ne m'a jamais parlé d'un quelconque programme. En gros, c'est faites ce que vous pouvez, racontez-nous, puis on verra comment on se débrouille pour l'année prochaine. Bon, donc il va falloir, avec Axel, qu'on reprenne rendez-vous hein, avec le doyen de l'inspection générale de philo pour voir quelles sont maintenant leurs intentions. Bon, ils attendent, je suppose, comme tout le monde, ce qui va se passer au mois d'avril, puis on verra bien qui on a en face de nous. Mais bon, ça vous permet de voir un petit regard sur les différentes possibilités. Je vais peut-être un petit peu accélérer. Alors, encore un petit extrait du texte. Vous voyez les trois objectifs principaux qui étaient proposés. Donc, on est dans la formation. Il y a aussi cette idée donc de la socialité. Alors, c'est un terme, voilà, je découvrais la socialité. Bon, mais finalement, c'est pour que les élèves apprennent à avoir de l'écoute dans leurs interactions avec leurs petits camarades et le développement de l'argumentation, une possibilité donc d'avoir un peu de recul sur leurs propres convictions et d'être capable du coup d'échanger avec l'autre sans se taper dessus au bout de 5 minutes. Et il y avait aussi la question de l'insertion professionnelle. Vous verrez que la question du chef-d'œuvre revient aussi. On pourrait être sollicité dans le cadre du chef-d'œuvre. Bon, moi, ça m'est pas arrivé. J'avais un petit peu essayé de tester mes élèves en leur disant « Vous êtes sûr que je peux pas vous être utile ?» Et ils m'avaient dit « Mais non. » En fait, ils avaient l'air de s'en foutre un peu du grand chef-d'œuvre. Hein. Alors, nous, on allait même à la maison parce que nous, ça s'appelle le grand oral. Et le grand oral, ils s'en foutent aussi. Mais bon, comme c'est 10% du bac, ils commencent là maintenant à s'en inquiéter. Mais bon, enfin, voilà. Donc, il y avait tout ça. Alors, on arrive au sujet sérieux. Où là, j'ai besoin vraiment, enfin, ça va être intéressant de vous entendre sur cette question parce que voilà. Un extrait de cette note de service qui implique les PLP et je pense tout à l'heure je suis peut-être allé un petit peu, je suis en train de cafouiller entre mes diapos passés et mes diapos à venir. Le diaporama je l'ai fait ce matin donc donc je l'ai pas encore bien en tête hier soir et ce matin. Le texte ici fait clairement référence à une intervention des PLP. Et quand je dis que c'est la condition sine qua non, il faut prendre le mot latin, l'expression latine, au pied de la lettre. C'est sans quoi non, ça ne marchera pas. Si les PLP ne s'impliquent pas là-dedans, on ne pourra pas le faire. On n'a pas les ressources humaines. Et puis, peut-être, pour nous, en plus, statutairement, on est vraiment sur un terrain miné. Donc peut-être que c'est là que, en amont du congrès du SNES, ça m'intéresse bien de savoir quelle est votre position, parce que si vous regardez bien le texte, hein, et là c'est la note de service, c'est le BO du 15 avril, lorsque certains professeurs de la voie professionnelle disposent des compétences requises, alors est-ce que c'est un morceau de licence de philo, je ne sais pas, et qu'ils se portent volontaires, ils peuvent, avec la validation et l'accompagnement des corps d'inspection, prendre en charge cet enseignement après avoir participé au plan de formation académique mis en œuvre à cet effet. Des binômes peuvent aussi être constitués associant professeurs de philosophie et professeurs de la voie professionnelle. Bon, alors voilà, je ne sais pas quel est votre sentiment, votre position par rapport à ça, mais il me semble que c'est ça l'avenir. Évidemment, il n'y a pas que ça comme condition à remplir. Il va falloir aussi qu'il y ait un financement. C'est comme ce que disait tout à l'heure le collègue en EPS, sans moyens. Tout ça, c'est du bluff, c'est de la poudre aux yeux, et on n'y arrivera pas. Hein. Donc, il va falloir sortir, la machine à calculer. Mais
en tout cas, ça ne se fera pas sans les PLP. Ça, ça me paraît être une idée vraiment majeure à retenir. Alors, les articulations interdisciplinaires, en fait, on est finalement très. Il y avait deux hypothèses. Ou bien les ateliers philo étaient en interdisciplinarité, mais on ne nous imposait rien, ou bien on travaillait en autonomie. Moi, j'ai testé les deux, et en autonomie, je vous le disais tout à l'heure, je me suis très vite retrouvé tout seul. Enfin, il n'y avait plus que deux élèves qui venaient, mais un jour, elles étaient malades toutes les deux, et donc je me suis vraiment retrouvé tout seul. Et puis c'était hors sol, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé par me dire bon, c'est la première fois qu'on ils croisent un prof de philo, donc je vais leur expliquer un petit peu ce que la philo a de spécifique. Je leur ai dit deux mots de l'histoire de la philosophie, puis deux mots de la démarche philosophique. Mais après, on a travaillé un peu sur la question des représentations, de la vérité. Je voyais bien que bon, ça n'allait pas nous mener très loin, alors que là, maintenant, en partant de leur programme de lettres, avec une épreuve en fin d'année, où là, ils vont avoir à bosser, enfin, on travaille sur l'objet d'étude, le jeu, mais je n'ai pas encore bien compris si c'était bien le jeu qui était un objet d'étude, parce qu'il y a un objet d'étude encore plus général. Mais là, moi, je travaille avec les élèves sur le jeu. Et là, franchement, avec des textes comme Le joueur d'échecs, on pourrait faire largement tenir une dizaine de séances. Donc, c'est vers cette voie-là qu'on pourrait poursuivre l'affaire. Oui, ça, on va peut-être passer très vite. C'est la dernière référence à cette note de service. Mais vous voyez, à deux reprises, il est question du français, quand même. L'objet d'étude du programme de français. Alors, en fait, l'objet d'étude, dans son intégralité, vivre aujourd'hui, l'humanité, le monde, les sciences et la technique. Bon, et à l'intérieur de cet objet, ça ratisse large, hein. Et à l'intérieur, donc moi j'avais commencé à travailler sur la question des représentations, mais je ne savais pas par quel bout le prendre, ce truc-là. Et à l'intérieur de cet objet d'étude, le jeu qui semble être aussi pour l'année prochaine, retenu pour l'année prochaine, c'est ça? Rassurez-moi, je n'aurais pas recommencé à bosser une autre question. Bon. Donc, ça m'arrange. On nous parle aussi de compétences qu'on devrait viser. Alors, bon, nous en lycée général, les compétences, ça nous enrhume un peu. Mais j'ai bien vu que ma collègue, l'inspection, pas de philo, hein, mais l'autre inspection, donc l'inspectrice qui s'occupe de la branche histoire, géo, lettres et lettres, ils étaient déjà en train de me refiler un référentiel de compétences, que je ne lirai pas d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, ils étaient très à cheval là-dessus. Moi, je leur disais, le but du jeu, c'est d'amener les élèves à relire des textes qu'ils ont lus déjà. Si on fait un travail de relecture, on est content. Enfin, c'est déjà ça que ça sert, quoi. Bon, et puis le chef-d'œuvre. Alors, je ne sais pas non plus par quel bout prendre ce truc-là, mais vous voyez, pourquoi pas. Enfin, ça pourrait éventuellement intéresser de temps en temps un lycéen d'avoir une approche. Je ne sais pas si tout à l'heure je parlais du design, mais c'était un sujet sérieux parce que dans le design, il me semble qu'il y a une réflexion sur le beau et l'utile. Qui mérite qu'on s'y arrête un peu, parce que dans le design, c'est pas seulement des choses qui sont utiles et qui, accessoirement, sont belles, c'est peut-être qu'on recherche une forme de beauté dans l'utilité. Et voilà, moi, c'est des questions qui m'intéressent bien s'il fallait les creuser. Alors, on arrive à la fin, je vous rassure tout de suite, mais de notre côté, voilà le problème. On a un problème de ressources que j'évoquais tout à l'heure. Il y a 164 000 élèves publics-privés, parce que c'est public et c'est privé. Alors vous, évidemment, vous ne vous occupez pas des lycées privés, mais le dispositif, il est conçu comme ça. Et donc, si on donnait, nous, profs de philo, une heure d'atelier par semaine, je ne vous parle même pas de deux heures, on arriverait à... Il nous manquerait 800 équivalents temps plein. Excusez du peu. Pour information, il y a 5200 profs de philo sur toute la France, public, privé. Hein, on est 80% dans le public et 20% dans le privé. Bon, donc déjà, de toute façon, même si on était tous volontaires, on ne peut pas. Donc c'est vous qui devez vous en charger. Et puis, il y a un autre problème quand même, qui n'est pas non plus un détail. Et là, quand je parle de ces ateliers philo avec mes camarades du SNES, je vois bien quand même qu'on me regarde avec sympathie, mais avec méfiance, en disant « dis pas quand même n'importe quoi, parce que la boîte de Pandore, elle pourrait nous sauter au visage. » Enfin, voilà, il suffit de voir ce qui est sur le fait
nous, ce qui nous embête, c'est que on est payé en HSE, pardon. Et c'est vraiment pas dans notre culture syndicale d'encourager les HSE, puisque comme vous savez bien qu'on est sous-payé. D'ailleurs, on est sous-payé quand on est payé, parce que j'ai été payé de 2021, pas de 2022. Hein, bon. Donc, syndicalement, ça ne nous va pas du tout comme situation. On souhaiterait que ça soit intégré à nos services. Mais si c'est intégré à nos services, c'est encore pire. C'est que du coup, ça veut dire qu'on valide le fait qu'un certifié ou un agrégé de philo va faire son complément de service en LP. Alors, on aura beau dire c'est sur la base du volontariat, mais enfin, c'est pas très sérieux. On peut pas dire c'est dans notre service, mais c'est sur la base du volontariat. Et on sait très vite que certains chefs d'établissement vont nous fourguer des compléments de service subis dans le lycée professionnel d'à côté et, tant qu'à faire, dans le lycée d'à côté et encore le lycée d'à côté. Donc, si on fait ça, on va dans le mur et puis ça va s'étendre à d'autres disciplines. Après tout, en EPS, c'est déjà le cas. Donc, nous, il me semble que de notre côté, on va plutôt, mais je parle au conditionnel, on va plutôt privilégier la co-intervention, mais voilà, j'attends un peu vos réactions là-dessus. Je sais que vous n'en êtes pas non plus forcément, vous n'êtes pas forcément aussi des inconditionnels de la co-intervention. Tout à l'heure, j'entendais dans les propos des collègues que ça les agaçait un peu, parce que finalement, la co-intervention, ça se fait, je l'ai vécu, hein, autour de la machine à café, hein, et par des échanges de courriels ou de textos, quoi. C'est comme le dimanche soir, hein, en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Voilà comment ça se passe avec mes collègues de LP. Donc, c'est pas du tout satisfaisant. Mais on a bien senti avec la collègue de lettres que c'est, pour les élèves, c'était plus rassurant d'avoir deux profs pour le prix d'un, avec leur prof de lettres quand même qui leur sert de contact avec la réalité. Sinon, on est complètement des martiens. Hein. Bon, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, à condition que ça soit budgétisé, enfin budgété, que ça ne soit pas un siphonnage de vos horaires déjà bien minces. Et je termine là-dessus. De votre côté, Kessako, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut envisager une nouvelle bivalence? Parce que quand je discute de ça avec les associations de professeurs de philosophie, par exemple, l'une d'entre elles, la PEP, qui est une association historique des profs de philo, elle existe depuis juste après 1945, vous voyez un petit peu, eux, ils sont d'accord, à condition de créer une nouvelle bivalence. Voilà. Basta, le problème, il est réglé. Bon, donc ça, c'est la position d'une des deux grandes, et peut-être la plus importante. En tout cas, c'est une association de professeurs de philosophie qui a son mot à dire et qui est écoutée. Donc, il n'y a pas que les syndicats, il y a aussi les associations professionnelles. Et la position de la PEP, c'est ça, hein, c'est une nouvelle bivalence. Bon. Finalement, tout à l'heure, la balle est dans votre camp, mais je me demande si ça serait vraiment une bonne idée de créer une bivalence, sachant que le prof de lettres philo, par exemple, se taperait une multitude d'ateliers qui pourraient l'embarquer sur des compléments de service dans des tas de lycées, ou en tout cas d'aller vadrouiller dans des lycées professionnels voisins. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, c'était la septième diapo, là, le texte qui faisait état d'une possible prise en charge par les PLP de cet atelier à condition qu'il y ait une formation, bah peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudrait creuser. En tout cas, nous, de notre côté, j'en ai encore eu la confirmation hier auprès d'un secrétaire général du SNES, hein, on est évidemment partie prenante, enfin en tout cas, on est totalement d'accord avec cet enseignement de la philo dans la voie professionnelle, et tout en faisant attention au statut, sachez qu'on n'a pas l'intention de quitter le bateau. Enfin, on a bien. Moi, je rempile l'année prochaine. Voilà, merci. Merci Jean-François. Dans les très grandes lignes, et pour répondre à ces interrogations, c'est vrai qu'on n'a pas complètement et clairement défini des mandats spécifiques à la philo. Mais je pense que la vision partagée par un très grand nombre d'entre nous est que cette discipline, elle doit intervenir auprès de tous les élèves de LP, et notamment en terminale. Et donc pour ça, il faut qu'elle ait un horaire spécifique qui ne soit pas à aller piocher sur des dispositifs quelconques, et donc qui, de toute façon, pourrait se rajouter très légitimement
aux 30 heures que l'on fait, en particulier si ces 30 heures sont des heures disciplinaires. Pour qu'il y ait un horaire spécifique, ça sous-entend qu'il y ait en arrière-plan, si j'ose dire, mais finalement c'est fondamental, un programme sur lequel s'appuyer, et que le cas échéant, pour qu'il y ait un programme qui soit créé, il y ait une évaluation de la philosophie à l'examen. Alors pas forcément systématiquement pour tout le monde, comme dans les voies générales et technologiques, mais pourquoi pas dans le cadre d'une option. Enfin voilà, en tout cas, il faut qu'on approfondisse notre réflexion là-dessus, mais sur la nécessité d'horaires dédiés et de programmes fixés et non pas de suggestions un peu bizarroïdes comme tu l'as signalé tout à l'heure. Voilà. Sauf que de fait, la question que tu poses est totalement légitime parce que du jour au lendemain, ce serait compliqué d'appliquer ça dans tous les LP de France pour toutes les raisons que tu as exposées. Et donc, je pense qu'il faudrait probablement qu'il y ait une montée en charge progressive de l'application de ça, une montée en puissance, mais avec un recrutement qui serait progressif de PLP lettres philo, qui d'ailleurs ne serait pas, comme tout PLP lettres histoire, ou lettres langues, obligés d'intervenir que sur l'histoire pour les uns, sur les langues pour les autres, ou sur la philo pour eux. C'est-à-dire que cette bivalence permet aussi de faire l'intégralité de son service dans l'établissement et pas seulement des morceaux de service. Après, le recrutement, il peut se faire, alors je suis pas spécialiste du corpo, beaucoup de gens le savent, mais éventuellement par liste d'aptitude, ou en tout cas par spécialisation de certains qui seraient déjà professeurs de lettres histoire ou de lettres langues ou de je ne sais quoi, et puis par concours interne et par concours externe, pour à un moment donné, si on en arrive à cette montée en charge et à cette application pour tous les élèves de LP, avoir effectivement un prof en face de chaque élève. Bon, au-delà de ça, mais de toute façon, la salle interviendra et je vais vous laisser l'occasion de vous exprimer dans quelques minutes. Auparavant, vous avez bien compris l'idée développée par Christian et Jean-François que ce qui est en train de se mettre en place se fait à travers les dispositifs, notamment de co-intervention pour la philosophie et spécifiquement en terminale. Et pour la filière sport, ça se fait à travers les nouvelles possibilités offertes par la co-intervention en terminale, mais aussi par le biais du chef-d'œuvre et de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé en terminale étant normalement dédié à deux modules particuliers que sont le module insertion professionnelle et le module poursuite d'études. Et donc, en allant chercher sur ces heures, le ministère a eu idée de se dire que, d'ailleurs, d'une certaine manière, ils ont même suggéré à un moment donné que la philosophie soit aussi concernée par ce financement d'heures en accompagnement personnalisé, puisque comme étant éventuellement un objet permettant de favoriser la poursuite d'études. Donc, on est là sur une utilisation de dispositifs qui sont dévoyés avant même d'avoir été mis en place et qui, rappelons-le, je ne le dirai jamais assez, ont été financés au départ par d'autres disciplines. Quoi qu'il en soit, on est sur, normalement en terminale, deux modules pour l'utilisation de l'AP. Un qui peut être utilisé pour mettre en place l'unité facultative de sport, l'autre qui, dans le cadre du module poursuite d'études, peut être utilisé pour la mise en place de la philo, sachant qu'en plus, on peut se servir des heures de co-intervention. Donc, avant de donner la parole à la salle, je vais appeler mon témoin du jour, c'est-à-dire Bertrand, qui va venir nous expliquer, puisqu'il y a un lien avec tout ça. Non, tu ne t'appelles pas Bertrand, tu t'appelles Christophe. Christophe. Et donc, Bertrand va venir nous expliquer un peu sa perception de la mise en place des modules en terminale. Voilà, je te donne le micro et la parole. Donc Bertrand Guirolin, PLP maths sciences dans l'Académie de Grenoble. Donc j'enseigne en terminale bac dans le plus grand lycée professionnel de l'Académie, 550 élèves. Donc bien que présentés en conseil pédagogique, les modules n'ont jamais été mis en place parce qu'il y a eu un tollé des collègues en disant si c'est ou la co-intervention ou le module d'insertion, etc., on préfère maintenir la co-intervention.
Voilà. Donc, je vais maintenant vous proposer de nous poser des questions, hein, au même titre que pour Bertrand. Dans mon établissement, il n'y a rien de mis en place en termes de module spécifique en terminale. Donc, on fait chacun de l'accompagnement personnalisé dans notre coin, en fonction des besoins ressentis auprès de nos élèves pendant nos cours. Quoi, voilà. Mais ce n'est pas étiqueté de quelque manière que ce soit. Donc, si vous avez des questions, aussi bien pour Jean-François et la philo que pour Christian, qui nous écoute patiemment avec le téléphone d'Isabelle, et je le remercie encore sur la mise en place des dispositifs sportifs, puisqu'il y a des mentions complémentaires, une unité facultative ou quoi, eh bien, n'hésitez pas. J'ai vu la main de Sandrine se lever, qui... Et souvent l'une de nos premières intervenantes sur les différents ateliers de la journée. Donc, capacité de PLP aussi. Hein. Alors, moi, j'ai une épiphanie, figurez-vous, parce que... Alors, je reviens sur l'histoire de PS. Je suis contente que le représentant du SNEP soit toujours en ligne, parce que ça fait 15 ans que nous avons ce bac pro sport à La Réunion. Donc, je suis toute chose depuis tout à l'heure, là, que j'ai vu les diapos. Puisqu'il y a 15 ans, enfin je dis 15, c'est approximatif, mais il y a 15 ans, donc nous avons ouvert à La Réunion un bac pro vente qui a pour objectif de diriger les gamins vers les activités sportives aussi, puisqu'au bout du compte, c'est pour en faire des vendeurs, ce que je viens de découvrir sur l'étoile, l'espèce de rosace, là, il y avait vendeur en matériel de sport. Il y a une convention avec le CREPS qui est juste derrière l'établissement, derrière le lycée professionnel où se passe le bac pro, il y a donc le CREPS et il y a donc un partenariat avec le CREPS pour que les gamins passent le BPJEPS en question. Donc, du coup, si vous voulez, je suis toute chose parce que je me dis, ben alors qu'est-ce qu'on a fait depuis toutes ces années, des choses illégales, voilà, je ne sais pas. Enfin, franchement, je me suis pas, enfin, à l'époque, on ne s'est pas posé la question parce qu'en fait, ça nous a été présenté non pas comme un bac pro avec une option sport, mais simplement comme un bac pro vente avec une option particulière sur la vente d'équipements sportifs. Mais les gamins étaient sélectionnés aussi par rapport au potentiel sportif qu'ils avaient, et donc en lien avec le CREPS, etc. Enfin voilà. Donc du coup, ça ressemble un peu quand même à cette affaire-là. Et voilà, je sais pas pour vous. C'est tout. Je voulais dire que ça fait 15 ans que ça existe chez nous. Et deuxième chose, juste pour la philo, il ne sera pas possible de créer une discipline lettres philo tant que la philo ne s'apprend intégrée en enseignement dans les horaires. Donc, la seule solution que je vois, c'est comme nous, à La Réunion, avec la langue régionale, c'est que ça passe par une... Puisqu'il n'y a qu'un CAPES de langue régionale, hein, où le collègue ou celui qui le passe peut être lettres modernes créoles, anglais créole, maths créole, enfin, ils font comme ils veulent, c'est bivalent. Mais pour le coup, ce serait un capétien qui viendrait enseigner le créole en lycée professionnel. Donc, il y a des certifications en créole. Et du coup, les collègues qui sont PLP, s'ils ont envie de faire quelque chose dans la langue régionale, le font avec une certification. Ça veut dire qu'ils ont une formation et une évaluation de leurs compétences dans la langue. Et là, ce serait en philosophie. Voilà. Moi, j'ai une question pour le collègue là en sport. Je voulais savoir si ce bac pro, en fait, il venait pas en concurrence avec ce qui se prépare en STAPS. Moi, j'ai mon fils en STAPS, par exemple, à Toulouse. C'est extrêmement difficile de rentrer dans ce STAPS. Et quand je vois le champ d'action, enfin, d'activité future dedans, je me demandais comment ils allaient articuler... C'est des débouchés professionnels, finalement, entre les deux filières, sachant que vraiment, pour entrer en STAPS à Toulouse, c'est de la folie. Ça, c'était ma première question. Après, je voulais revenir sur la philo. Moi, je suis dans un établissement LPO. Il y a 1480 élèves. Il y a deux profs de philo avec formation technique, pro, général, licence pro, BTS, troisième prépa pro, deux profs de philo. Et dans mon établissement également, les collègues qui sont lettres histoire sont en AP à 30 élèves, toutes 30 élèves.
Et on a des collègues qui sont PLP langue, à qui on impose le français en complément de service. Et ils vont même dans l'établissement à côté, où ils sont 2230 élèves. Voilà. Merci. Moi, je voulais revenir sur la philo, justement. Alors déjà, Jean-François, merci pour ton intervention. Merci Christian aussi, je ne sais pas si tu nous entends. Mais faut que tu rassures ton secrétaire adjoint en politique éducative. Je ne pense pas que le gouvernement va prendre l'alibi de ces ateliers de philosophie pour obliger les certifiés à venir en lycée professionnel. L'heure est beaucoup plus grave pour nous en lycée professionnel, puisqu'on est plutôt en train de regarder comment se débarrasser de nous, PLP, ou justement s'en débarrasser pour aller enseigner peut-être au collège, au lycée général et technologique, plutôt que l'inverse. Donc déjà, soyez rassurés à votre congrès, vous n'ouvrirez pas la porte de Pandore avec ces ateliers de philo. Deuxième chose, l'enseignement de la philo dans les lycées pro, c'est un mandat historique. On l'a porté, on a eu au moins 3 ou 4 entretiens, dont un où tu étais présent avec Axel, avec les inspecteurs généraux. À chaque fois, on a eu des freins de leur part. Alors, ils sont toujours. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, nous, parce que nos IENET, ils sont plutôt francs du collier. Ils nous disent, ils sont un peu brutaux même de temps en temps, alors que là, les inspecteurs généraux nous disent qu'ils sont toujours très favorables à chaque fois, très favorables à ce qu'il y ait effectivement d'un enseignement de philo dans les lycées pro. Et ils nous disent à chaque fois, c'est pas possible, vous savez, la profession refuse. Là, c'est pas les syndicats qui refusent, maintenant c'est les associations professionnelles, la PEP ou il y en a une autre, je sais plus, il y en a une qui est plus de droite que de l'autre. Voilà, la PEP était celle la plus raide, d'après ce qu'ils nous avaient dit. La CIREF avait déjà ce mandat-là, alors que la PEP l'avait pas, enfin l'a eu plus récemment. Et puis on a évidemment aussi, ils nous disent hein, clairement que ce n'est pas un projet politique, on a un refus politique. Et on l'a même eu sous le gouvernement précédent, ce qui nous avait un petit peu heurté à l'époque. Bon, moi je pense qu'il faut pas prendre les questions par leur finalité. Première question. En ce moment, tiens, prenons par contre concrètement, comment sont conçus les programmes que tu nous as donnés, avec qui ils ont discuté, ils disent que il y a du dialogue social, avec qui ils ont discuté pour nous sortir ces aberrations de programme. Déjà, les contenus, est-ce qu'il y a assez de notions, est-ce qu'il en faudrait pas plus ou moins? Deuxièmement, est-ce qu'il y a enfin une réflexion aussi sur la certification? Parce qu'une discipline ne sera réellement mise en œuvre que si un jour elle est certifiée et qu'on travaille la certification de la discipline. Tant qu'il n'y a pas de certification, on sait que de toute façon, on restera sur du saupoudrage. Donc l'atelier, ne boudons pas quand même cette victoire, je suis entièrement d'accord avec toi. On l'a obtenu d'arrache-pied, ça fait des années qu'on milite pour avoir ça, on obtient cette petite expérimentation dans 50 lycées, c'est déjà ça. Et merci de ton expérience. De nous transmettre ton expérience. On voit qu'elle corrobore parfaitement les expérimentations de 2010 qu'on connaît bien parce qu'on les avait beaucoup étudiées à l'époque. Alors, nous, l'idée, c'est il y a deux questions dans ce que tu poses au niveau maintenant de la RH, pour le dire vite. Il y a la question si on reste sous la forme d'atelier et qu'on arrive à généraliser l'atelier. Moi, je vous avoue que c'est pas mon ambition en tant que représentante syndicale. Mon ambition, c'est de... On est rentré par l'atelier, mais on voudrait que la philo fasse partie intégrale, je sais pas comment on dit, du programme de matière générale pour tous nos élèves, d'accord? Alors tous nos élèves de terminale dans un premier temps, c'est-à-dire pas un atelier par-ci par-là. Donc là, pour l'instant, on est dans l'atelier. Dans l'atelier, évidemment, que dans ce cadre-là.
De toute façon, ils vont pas le généraliser beaucoup. Il va falloir effectivement peut-être exiger des plans de formation ambitieux pour former des PLP qui le souhaiteraient, qui pourraient le souhaiter. Parce que moi, je pense que quand on a une licence d'histoire, on peut très bien, avec une formation ambitieuse, un plan de formation ambitieux sur plusieurs années, pouvoir enseigner en atelier avec des profs, pourquoi pas, en co-intervention avec des collègues de philo, pourquoi pas. Maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est quand on obtiendra, si on l'obtient un jour, un vrai enseignement de philo. À partir de ce moment-là, avec une certification adossée à un véritable programme négocié, là, à partir de ce moment-là, il va falloir penser à créer des CAPLP bivalents. Moi, je suis entièrement d'accord avec la proposition bivalent, qui, si il y a 2 heures en terminale minimum ou 4 heures en terminale de philo par terminale, on aura besoin d'un vivier de profs qu'il faudra absolument recruter, former et recruter. Moi, voilà comment je vois les choses pour l'instant. Mais pas de risque, ne vous inquiétez pas. Préviens tes camarades du SNES, il n'y a pas de risque qu'on ouvre la boîte de Pandore. L'heure est très grave en lycée professionnel, on n'en est pas là. Ça passe là, c'est bon. J'ai entendu des remarques, des questions qui se rapportaient à l'EPS. La première portant sur le fait qu'il y avait déjà des dispositifs qui existaient, des bacs pro qui existaient. Alors oui, il y en avait un certain nombre, hein, dont un notamment sur la biqualification réelle avec, je crois, c'est à Barcelonnette, un bac pro qui formait à la fois au métier de charpentier et en même temps guide de haute montagne, enfin qui vers ce type de choses. Donc oui, il y avait des choses qui existaient. La question qui était posée là, c'était la question de la démocratisation et donc de l'élargissement de ce type de dispositif. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la démocratisation telle qu'elle est conçue là me paraît quand même, enfin paraît un peu légère et en tout cas pas à la hauteur, sans doute, de ce que représente aujourd'hui le sport dans toutes ses dimensions dans la société. Donc l'idée que les bacheliers professionnels aient accès à des métiers de ce type-là était quelque chose qui nous semblait devoir s'étendre largement. Bon, on n'en est pas là, évidemment, vous l'avez compris dans ce que j'ai dit. Alors, le deuxième sujet sur la question de la concurrence avec les stats, ça c'est aussi un problème qui a été posé dès le début. Alors, je vous l'avais sans doute pas suivi, mais il y a quand la réforme de Parcoursup s'est mise en place, il y a eu des groupes de travail qui ont été organisés par le ministère à toute vitesse, hein, avec à ce moment-là un problème majeur qui était la question des STAPS en tension, puisque les STAPS n'arrivaient pas à absorber toutes les demandes qui avaient, et donc dans le groupe de travail, un des problèmes qui a émergé, je vous le dis comme ça c'est dit, il y a des bacheliers professionnels, il y a des gens qui sont issus de la voie professionnelle qui demandent un STAPS. Ils ont rien à faire là parce que de toute façon ils réussiront pas, donc c'est pas la peine, etc. Donc faut, voilà. Et ça c'est ce qu'a dit ce que disait le ministère et un certain nombre de gens de STAPS. Donc la question s'est posée. Oui, mais d'accord, vous êtes gentil, mais donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc pour décharger les STAPS, parce que c'était ça l'idée au départ, pour décharger les STAPS, on va créer cette fameuse mention complémentaire. Donc après une année après le bac pro, pour avoir ce demi BPJEPS à l'époque, puisque maintenant ils ont créé une deuxième mention complémentaire qui permet d'avoir les deux modules suivants. Donc bon, voilà. Mais à l'époque c'était ça. Alors donc les STAPS, eux, ils continuent à voir ça comme d'un très mauvais œil. Au-delà du fait qu'ils voient que ça va pas marcher parce que ça se fait n'importe comment, donc ils sont rassurés de ce point de vue-là, mais ils voyaient ça d'un très mauvais œil parce qu'évidemment, d'abord, ils disent à juste titre que la filière STAPS est amenée et a vocation à développer des formations dans toutes les en tout cas les métiers qui sont organisés autour de l'intervention.
et que donc il y a même des sorties à bac plus 2, etc. Il y a des licences professionnelles, et donc il y avait strictement aucune raison qu'on fasse quelque chose dans la voie professionnelle. Mais cela dit, cette question-là ne résout pas l'ensemble des problèmes, et effectivement, comme je le disais, comme c'est un milieu concurrentiel, évidemment tout ça se frictionne très vite dès qu'il s'agit de la délivrance des diplômes. Voilà, donc c'est pour ça que moi, au bout du compte, bon, que les STAPS ne nous voient pas ça d'un bon oeil, c'est une chose. Nous, je pense qu'on doit continuer à porter l'idée qu'il y a des besoins, enfin, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui sont peut-être pas encore tout à fait bien calibrés, bien définis, mais je pense que ça, c'est par un manque de travail de la part du ministère. Que l'annonce qui a été faite, elle a été faite sous la pression des JOP 2024, hein, et puis donc du milieu sportif, hein, et il fallait que Jean-Michel Blanquer fasse des annonces à un moment donné, donc il a repris des choses qui étaient dans les tuyaux, et puis il a dit ben moi je vais le faire, bon, voilà, mais sans vouloir le faire vraiment, en fait. Donc moi je pense que la question de cet accès à des métiers qui aujourd'hui sont pas encore bien définis, pas bien déterminés, est un enjeu, et que d'autre part il y a aucune raison que les métiers du sport soient réservés, je dirais d'une certaine manière, aux élèves qui suivent une filière ou ceux qui suivent une filière dans le second degré lycée plus université, ou ceux qui ont les moyens de payer, parce que tous les diplômes jeunesse et sport sont des diplômes payants. Et parfois des sommes importantes. Alors sur le BPJEPS, il y a les mairies, il y a beaucoup des collectivités territoriales qui participent au financement, mais quand même, hein, s'inscrire pour ça peut aller jusqu'à 7000 euros, hein, c'est pas rien comme type de choses. Donc voilà, je termine juste. Pour moi, la question de la démocratisation, c'est-à-dire que le service public permette l'accès aux jeunes de la voie professionnelle, d'avoir des débouchés dans ce secteur en extension, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se bagarre. Mais bon, la bagarre, elle est évidemment loin d'être gagnée, et elle va être sans doute difficile, surtout si dans quelques semaines on remet la même équipe au gouvernement. Merci Christian. On prend une dernière. Voilà, j'espère que tu m'entends avec le téléphone d'Isabelle. On prend une dernière question de Serge, parce que je vois que l'heure tourne. Je ne sais pas si on a vraiment une grosse contrainte sur l'horaire de fin, mais voilà, on est dans un établissement où, à un moment donné, les personnels aimeraient ne pas finir trop tard à cause de nous. Donc, une dernière question de Serge, et puis je pense quelques éléments de réponse aussi de Jean-François par rapport à vos interventions. Oui, donc toujours Serge, toujours de Nantes. Dans la liste, il y avait l'Académie de Nantes qui était ciblée en expérimentation dans les milieu des années 90. Personnellement, j'ai fait pas mal de bahuts. J'étais déjà en poste à cette époque-là. J'en ai jamais entendu parler. Donc, il y en a eu beaucoup, ou c'est ponctuellement quelques établissements. Donc, si voilà, ça m'intéresserait de savoir, de retrouver ça et de voir un peu la suite. Sinon, par rapport à un PLP philo quelque chose, oui, au bout d'un moment, c'est vers ça qu'il faut aller, hein, y a pas de problème. Mais je pense que la co-intervention, la limiter aux collègues de lettres histoire, pourquoi ? Je veux dire, moi, je suis en maths sciences, je pense qu'il y a certains thèmes que je pourrais aborder avec un collègue de philo, par rapport aux maths, par rapport aux sciences, par rapport, etc., etc. Donc, je pense que dans un cadre d'atelier, voilà. Mais ensuite, il faut aller vers un PLP, philo, quelque chose. Et j'ai fini, je fais court. Merci, on me signale finalement deux autres interventions, mais vraiment, ah non, alors une seule. Et la réponse de Jean-François. Attends, tu vois pas. Oui, bonjour, Michel, alors de l'Académie de la Guyane française. Très très court. Effectivement, le collègue parlait de pétillant pour les élèves. On sent bien qu'il y a un manque et un besoin de l'enseignement de philosophie. Nous, on milite en ce sens. Juste une question, si on voulait, sans être dans les dispositifs expérimentaux, sans attendre certification, sans attendre tout ça, immédiatement débuter
un enseignement philosophique. Comment on pourrait faire très pratiquement dès la rentrée septembre? Ça marche? Ouais. Si je réponds donc dans cet ordre-là, si vous voulez mettre en route quelque chose dès septembre, il faut déjà que le lycée se porte volontaire pour accueillir un atelier. Pour l'instant, c'est une espèce de marché de l'offre et de la demande. Hein. J'emploie ce terme-là parce que c'est quand même comme ça que ça marche. Donc les lycées font savoir. D'ailleurs, j'ai pas l'info quant à savoir de quel côté la restriction est venue, de quel côté est venue la restriction, parce que ça serait un miracle qu'il y ait eu autant de vocations chez les profs de philo que de demandes des LP. Je sais pas là. Hein. Peut-être que c'est les profs de philo qui se sont fait un peu tirer l'oreille. Nous, on avait fait au SNES un sondage à une époque et les collègues, ils n'étaient pas si frileux que ça. Ça dépend dans quelles conditions. Si c'est pour être devant un groupe de 12, on va y aller. Si c'est pour être devant un groupe de plus que d'une vingtaine, enfin là, c'est aller au casse-pipe. Donc, il faut que ton lycée se porte volontaire dans le dispositif très frustrant, très insatisfaisant qui existe. Pour répondre à l'autre collègue, à Nantes, je sais pas comment. C'est sur Reims que c'était massif vers 2004-2005. Où là, si tu avais été prof dans cette académie, tu aurais certainement entendu parler du dispositif. Mais à Nantes, je sais pas du tout dans quelle proportion, mais je pourrais avoir la réponse parce que ça a été très documenté. Tout ce qui a été fait a été très documenté. Maintenant, la co-intervention avec des collègues autres que des collègues de lettres, bah bien sûr, c'est tellement évident que j'ai même pas dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'était des PLP qui faisaient cette formation, ça serait évidemment une très bonne idée que ça ne soit pas que des lettres histoire-géo et qu'on puisse aussi trouver une approche avec des PLP vraiment profilés pro sur des questions qui peuvent avoir trait à l'esthétique, donc les questions de design dont je parlais tout à l'heure, mais histoire des sciences, enfin question d'épistémologie, enfin évidemment que nous on a le même problème dans les lycées généraux avec la réforme Blanquer, puisqu'il y a des spécialités qui nous font travailler avec des collègues. Je suis concerné aussi, on appelle ça humanité, littérature et philosophie. Mais littérature et philosophie. Et évidemment qu'on râle. Alors je râle doucement, puisque le rapprochement philo-lettres, je connais bien la maison, parce que ma femme est prof de lettres, mais ça n'a pas de sens même. Historiquement, c'est absurde. La philosophie, elle est née avec Thalès, Pythagore. J'ai pas remarqué que c'était des profs de lettres. Donc, la philo est née chez les mathématiciens. C'est Pythagore qui invente le mot philosophie. Donc, complètement idiot de réduire la philo, bien sûr, à ça. Bon, sinon, oui, faudrait pas que nos conversations... j'ai peut-être l'air d'un martien, mais je vois bien que la difficulté, à l'heure d'aujourd'hui, pour les LP, c'est de survivre à... une mort annoncée qui pourrait être souhaitée par le patronat, pour le dire vite, qui souhaiterait quand même récupérer sous la forme d'une formation dont il assurerait seul les tenants, les aboutissants, ce qui est l'objet des lycées professionnels. Et donc, je comprends bien quand tu me rassures, mais c'est pas du tout rassurant pour vous, ni pour nous d'ailleurs, cette espèce de transfert en sens inverse. Mais je retiens l'argument parce que ça me sera utile. Donc on va accueillir dans nos lycées des collègues qui vont. Donc et là, la ligne de front, c'est même pas philo ou pas philo, c'est LP ou pas LP. Bon, donc je voudrais pas donner l'impression d'être sur le Titanic un quart d'heure avant son naufrage en disant ça serait bien qu'il y ait un atelier philo au troisième étage. Hein. Bon, le Titanic coule et l'urgence elle est vraiment ailleurs. On est bien sûr des syndicalistes responsables. On sait bien où passent les lignes de front et les combats. Mais n'empêche que quand le mois d'avril sera passé et qu'on verra qui on a en face de nous, on est quand même bloqué dans des politiques d'austérité. Bon, et l'actualité internationale nous rappelle que on n'est pas sorti de ces politiques d'austérité, hélas. Donc, quand les pays sont en guerre, en fait, c'est les services publics aussi qui épongent la facture. Donc, ça va pas être facile de défendre aussi bien l'hôpital que l'éducation. Mais dans ce cadre-là,
un pied est mis dans la porte, on va bien sûr le laisser et il va falloir qu'avec le SNUEP et le SNES, on retourne voir notre inspection générale avec Franck ou avec Axel. Voilà, on retournera les voir. Pour l'instant, ils sont comme nous dans l'expectative. Ils ne savent pas trop à quelle sauce on va se faire manger. Et on a plus des inquiétudes. Tout ça se fait toujours sur fond de politiques austéritaires, enfin, qui sont malveillantes à notre égard. Donc, faut faire toujours attention quand on dit oui à quelque chose qui est proposé par Blanquer, on se dit où est le loup, quoi, où est l'arnaque, où est la vacherie. Et de toute façon, malheureusement, il n'y en aura pas une, mais il y en aura plusieurs. Mais en même temps, on ne pouvait pas laisser passer le train en disant on n'attend rien de bon de Blanquer, donc il va aller se faire voir. Là, le SNES, on n'a pas pris cette position-là, contrairement à certaines associations professionnelles qui sont d'accord si ça ne se passe pas avec nous, quoi. Nous, pour l'instant, on dit banco, mais on surveille de près et il va falloir quand même que les moyens soient mis sur la table. Et pour l'instant, évidemment, c'est une farce. Voilà. Merci beaucoup. Merci également à Christian qui était encore en ligne pour écouter. Je ne sais pas si quelqu'un dit un dernier petit mot ce soir. Ou si on se dit juste à demain et c'est l'heure de l'apéro, je ne sais pas. Ah, je suis toujours en direct, il faut donc que je ne dise pas de bêtises. J'allais dire des bêtises en plus, merci de me prévenir. Si ce matin, j'ai quand même oublié de remercier l'agence Pelicam qui nous suit depuis 4 ans, qui fait un boulot énorme et qui nous permet aussi la visibilité SNUEP auprès des collègues. Donc un grand merci à l'agence Pelicam qui est encore là aujourd'hui avec des moyens techniques parfaits. Et ben, je vous souhaite un bon apéro, une bonne soirée et à demain, camarades. Merci.